On ne fait rien pour les conjoints. Oui. Moi. Je sais pas. Moi, je passe. Moi, demain. Oui, on n'est pas là. Moi, demain. Allez, au revoir. J'ai rien compris. Commissariat de police, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous avez perdu votre chat. Oui. Vous pouvez me donner son signalement. Tigré. Ouais. Oui, bien sûr madame. Oui, je comprends. Oui, je comprends, c'est toujours difficile de perdre son chat. Oui, remarquez, ça m'est arrivé il y a 6 mois. C'est terrible, je veux comprendre. Non, c'était une chatte. Ça s'appelait Foufou. Non, il était pas lui. Oui. Alors écoutez, je vais mettre toutes les patrouilles sur le secteur, hein, ne vous inquiétez pas, madame. Je m'en occupe personnellement, madame. Hein. Oui, je m'en occupe et je vous rappelle. Hein. Au revoir, madame. Vous avez oublié de lui demander son téléphone. Ah. Oui. C'est pourquoi. C'est à quel sujet? J'ai pris un coup de couteau. Où ça? Dans la rue. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Appelez les secours! Ah oui, faites pas bête. T'assure. Bougez pas. Je l'ai. C'est parti, allez. C'est occupé. Je me suis appelé. Je me laisse un message ou pas? Non, j'ai rien à me dire. Hein. C'est combien le numéro de... C'est 18, 8. Ah, j'étais pas loin, hein. Là. Hop. 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 Hop
appartient à sa conviction, hein. Lisa, 7 ans et demi. Comme c'est curieux. J'insiste, hein, j'ai l'autorisation des pères. Hein. Vous insistez en plus. Je comprends tout à fait votre méfiance, monsieur. Avec tous ces pervers hein, qui courent dans les rues. Hein. On ne se méfie pas assez. Hein. Je n'en doute pas, mais... Rappelez-moi, ici, il n'y a pas d'enfants dans nos locaux. Mais comme j'ai un léger retard, peut-être qu'ils sont à la garderie. Il n'y a pas de garderie dans nos locaux. Bah alors, ils sont chez le directeur, voulez-vous bien me l'appeler? Ici, le directeur s'appelle commissaire principal. Ah bon, toi? Mais alors, on n'est pas au groupe scolaire Jean-Philippe Smet. Ici, vous êtes au 17 quai Poulaille. Poulaille, vous voyez ce que je veux dire? Je vois, une fois, je vois, je vois. Eh bien, je vais vous laisser, hein, oui. Je pars, hein, donc je m'en vais, hein. Allez-y, allez-y. Je pars, hein. Je m'en vais, hein. Yeah.
J'ai rendez-vous à 14. Je suis là. J'attends. Monsieur Soubichou. Tant pis, j'attends. Je suis là. Je bougerai pas. Bonjour, monsieur. D'accord, d'accord.
si longtemps que j'attends ça. Mais va bien. Vous savez, en 1961, sur le port à Marseille, j'ai failli embrasser Antonin. Mais ses camarades de régiment sont arrivés. Le devoir, madame, le devoir. En poche, nous avons vécu dans le même village, mais dans des maisons séparées. Ah, Antonin a été fidèle, hein, vous savez. Il y a 15 jours, maman est morte. 102 ans. Alors, nous nous sommes mariés, et là, tout à l'heure, après la cérémonie, on faisait la fête au restaurant. Mais vous avez bien raison. J'avais chaud, on a pris l'air, et puis arrivé près d'un pont, j'ai regardé à droite, il y avait un gros bateau. Et pour mieux l'observer, j'ai lâché la main d'Antonin, comme ça. Et quand je me suis retournée, il avait disparu. Disparu, dites-vous? Oui. Ah. Alors j'ai regardé dans l'eau, il n'y avait que des bateaux. J'ai regardé sur le quai, il y avait un cycliste, mais en bleu. Si ça avait été Antonin, il aurait été en jaune. Il était en jaune, dites-vous. Non. Les détails sont importants, quand même. Non, monsieur l'agent, il est en jaune quand il fait du vélo. Aujourd'hui, il avait sa tenue de cérémonie, son chapeau et sa canne. Et où êtes-vous descendu? À l'hôtel du Nord. Chambre 69. Rassurez-vous, madame. Je vais lancer un avis de recherche. Et on va vous le retrouver, votre gaillard. Vous savez, ce soir, Antonin et moi, on devait se retrouver dans le noir. Sans mon Antonin, je ne pourrais pas faire la chose. Madame, allez vous reposer pour être en forme ce soir. Je m'occupe personnellement de cette histoire. Oh, Antonin ! Reviens ! Antonin ! Reviens ! Accent circonflexe. Vous faites le chapeau et la lettre. Stop, c'est pour quoi? Très bien. Je passe dans le quartier, comme chaque année, pour la vente de nos calendriers humanitaires pour notre association. Au mois de mars. Oui, mais c'est pour l'année prochaine. Hein. Ah. Mais là, je crois que je me suis peut-être trompé. Non. Faites voir un peu ça. Ah, bon. Ben voilà, c'est un calendrier, donc ben là vous avez, on essaye de présenter dans notre calendrier des illustrations qui montrent des événements de notre histoire contemporaine. Donc par exemple, là je commence par le début, hein, c'est le mois de janvier. Donc là par exemple, les jours. Très bien. Là une trentaine. Hein. Bon, mais oui. Ça dépendra des mois quand même. D'accord. Voilà, ben là, c'est la photo de... Nous sommes le 4 juin 1989 sur la place Tiananmen. Mmh. Les soldats de la 27e et de la 28e armée sont entrés dans Pékin. Et puis, on voit bien le jeune étudiant qui, seul, arrête la colonne de chars d'assaut. Ah ! Ce char exceptionnel ! Une merveille de technologie ! Même les Américains ont voulu de ces petites machines. Un vrai bijou. Regardez.
des places à 164 km/h, 250 tonnes, équipé de deux mitrailleuses et d'un canon de 80 mm. Ah oui, et regardez bien, ces chenilles, oui, ne font aucune trace sur la place Tiananmen. Ça, c'était du matériel. Je tourne. Oui, oui. Oui. Les Carpates. Je saute. Oui, oui. Nana, par exemple, le mois d'avril. Oui. C'est dans l'ordre. Hein. Bien sûr. Donc ben là, c'est la ville de Raqqa au Kosovo. Les immeubles sont effondrés. Il ne reste plus que la devanture d'un magasin. Et regardez, il reste que l'EF, c'est sûrement une pharmacie. Ça, c'est un lance-roquettes Singer F-212 russe qui fait ce type de dégâts. C'est le matériel caractéristique de ce type d'explosion aussi. David, je pense même qu'il a été envoyé avec un missile au lithium enrichi. Ça fait l'habitude des trous bien ronds. Sauf si la construction est de mauvaise qualité. Et c'était souvent le cas au Kosovo. Ça s'appelle une frappe chirurgicale. Ah oui, un landau au centre, là. Voilà, c'est ça, la frappe chirurgicale. D'accord, ben voilà, ça vous donne une idée de notre travail. Hein. Mais juin, les vacances, ouais. Continuez. Non, ouais. Septembre, l'automne. Oh, un champignon, une touche d'humour. Atomique. Hein. Ah. La force de dissuasion. De Gaulle. Mururo. Ben, là, il y a un jeune homme qui nage dans l'eau transparente du lagon. Mais si vous observez bien, il a trois jambes. Ah, c'est plus pratique pour le gros. Je vais y aller. Non, non, faites-moi voir ça. Faites-moi voir ça. Ah, mais c'est... Très bien. Mais... Non, mais on pourrait peut-être terminer avec le mois de janvier, de décembre. Ah oui. Mais... Vous êtes un comique, hein. Allons en décembre, si vous voulez bien. Et ben oui. Là, c'est une photo prise par Mamadou Burkaké, célèbre photographe africain. Oui. Si on a cette photo, c'est qu'on a récupéré la pellicule sur sa dépouille qu'un anonyme nous a fait parvenir. Là, c'est le lendemain d'une attaque par les Hutus. Tous les habitants du village ont été massacrés à la machette et puis ils sont là, alignés au bord de la route. Ah, les Tutsis et les Hutus, ils se sont un peu chipotés. On leur a même donné un petit coup de main. Mais à la machette, hein, on leur arrivait pas à la chimie. D'ailleurs, c'était difficile de les repérer, les Tutsis et les Hutus. Vous connaissez les bêtes sauvages? Bon, parce que les Tutsus et les Hutus, eh bien, pour les récupérer, il y en avait qui étaient déguisés, en camouflage plus exactement, en léopard et d'autres en guépard. Alors c'est pour vous dire, hein, pas facile, facile. Hein. Oh, puis il y a un poster sur le, au centre, comme dans les anciens calendriers Pérennini. Bon, vous m'en mettrez 300, hein, quand même. Je viens pour une garde à vue. Avez-vous commis une infraction? Non. Mais on m'a dit que j'y avais droit. La garde à vue n'est pas un droit, monsieur. C'est une obligation. Si c'est une obligation, cela me convient. Mais avez-vous commis un délit qui justifie une garde à vue? Non. Mais s'il n'y a pas de délit, il n'y a pas de garde à vue. Et j'ai droit à combien de jours? Une garde à vue, ça peut être de 24 à 48 heures selon pour les besoins de l'enquête. C'est peu. Elle peut être prolongée d'un 6 jours pour un cas d'acte de terrorisme. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Le terrorisme, monsieur, c'est du lourd, hein.
Même avec un bon avocat, c'est perpète. Oh non, c'est trop long. Non, non, et la prison, cela ne me dit rien. Mais 6 jours de garde à vue me convient parfaitement. Je sais que j'aurais dû prévenir avant de venir, mais par hasard, serait-il possible de commencer tout de suite? Voyez, j'avais prévu. C'est impossible. Il n'y a pas de chambre disponible? Impossible, vous dis-je. Vous savez, je ne suis pas exigeant, hein. Un lit, un lavabo... Impossible! J'ai compris. Vous n'osez pas me dire que vous n'avez pas l'abonnement canal. Sortez! Je ne regarde pas la télévision. Dehors! Je préfère lire un bon bouquin. Dehors, vous dis-je. Justement, en ce moment, je suis en train de lire... Dehors! Oh, j'ai compris, monsieur. Ne vous fâchez pas. Je reviendrai un autre jour. Si j'ai bien compris, il faut vous appeler et vous prévenir avant pour réserver, n'est-ce pas? Merci. Un pain et une baguette, s'il vous plaît. Un quoi? Pardon, excusez-moi. Dans sa maison, un grand cerf. Ah non, 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 monsieur, pas d'obscénité dans mon commissariat. Non, 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 n'insistez pas, monsieur. Non. Alors, la piscine, c'est simple, la piscine, c'est... Vous sortez du commissariat, vous... Là, je saisis pas vraiment. Ah, là... Je sais, le bois de boule, non, pas ici, quand même. C'est pas clair ce que vous dites, monsieur. J'entends pas. Ah, vous avez pris le train, en pleine figure, non? C'est pas net. Dans sa maison, le capitaine. Ah, reprenons. Dans sa maison. Voilà. À vue par la fenêtre. D'accord. Dans sa maison, le capitaine. Tu cherches. Non. Là, c'est. Hé hey. Ouais. Hé hey. Faudrait pas m'aligner là, hein, parce que je suis garé sur une place handicapée, parce que devant, sur la place normale, il y a un fauteuil roulant, hein. Alors faudrait pas m'aligner, hein. Ça c'est sûr, hein, qu'il faut pas m'aligner, parce que là, moi j'ai cherché à bien garer, puis l'autre avec son fauteuil, il prend toute la place. Et c'est pas la place réglementaire, hein. Bon, ben non. Hé, je vous l'ai dit, hein. Hé. Et alors, vous l'avez retrouvé, votre fauteuil roulant? Hein? C'est là-bas! Eh bien, allez-y! Commissariat de police, bonjour! Mes respects, mon colonel! Oui, mon colonel! Bien sûr!
sûr, mon colonel. Tout à fait, mon colonel. Bien sûr, mon colonel. Très bien. À tout à l'heure, mon colonel. Mais restez, mon colonel. Mais restez, mon colonel. Mais restez, mon colonel. Au revoir, mon colonel. Mais restez, mon colonel. Au revoir, mon colonel. Mais restez, mon colonel. Au revoir, mon colonel. Mais restez, mon colonel. Alerte, alerte! Le garde-pêche est dans l'étang. Je répète. Le garde-pêche est dans l'étang. Respect, mon colonel.
Merci, merci, mon colonel. Hein, merci. Voilà. Opération le garde-pêche est dans les temps, annulé. Voilà. Monsieur l'agent, je suis très inquiet. J'ai perdu mon épouse. On se promenait sur le bord de la grande rivière. La Seine, vous voulez dire? Oui, peut-être. Les ennemis et moi, on se promenait sur le quai. Oui. On avait repéré un petit banc. Pour conclure. Oui. Et faire comme tous les amoureux. Un baiser avec la langue. Ça fait si longtemps que j'attends ça. Ah, je vois, je vois. En 1961, j'ai failli l'embrasser, hein, sur le port à Marseille, avant de partir pour l'Algérie. Mais les bleu-bites sont arrivés. Le devoir, monsieur, le devoir. Hein? Au puège, nous avons vécu dans le même village, hein. C'est qu'avec la vieille, c'était pas commode, hein. Elle a suivi, hein. Mais je suis resté fidèle. Il y a 15 jours, elle est morte. 102 ans, hein. Alors, nous avons décidé de nous marier. Et tout à l'heure, juste après la cérémonie, on est allé au resto. On faisait la fête. Vous avez bien raison. J'avais chaud. Et ma chérie aussi. Alors on a pris l'air. Je regardais à gauche, passer les bateaux, et j'ai mis regarder à droite. Je lui ai lâché la main, pour aller me soulager un peu, parce que... Au resto, hein. Et quand je suis revenu, elle avait disparu. Disparu, dites-vous? J'ai regardé dans l'eau. Il y avait des bateaux. J'ai regardé sur le quai. Il y avait une petite jeune. En mini-jupe bleue. Si ça avait été Zelmi, la jupe aurait été jaune. Vous dites qu'elle était en jaune. Tous les détails sont importants, hein. Elle est en jaune que quand elle jardine. Aujourd'hui, elle avait mis son costume de cérémonie, son chapeau et ses bas de contention. Et où est-ce que vous êtes descendu? À l'hôtel du Nord. Chambre. C'est moi qui ai choisi. Rassurez-vous, monsieur. Nous allons nous préoccuper de cette affaire. Et on va vous la retrouver, votre promise, sans problème.
et Jérémy. Je pouvais enfin m'occuper d'elle. J'ai. Sans elle, je pourrais pas faire la chose. Rassurez-vous, je vous dis que je vais m'occuper personnellement. Allez vous reposer pour être en forme ce soir. Les ennemis, où t'es? Swing on, brother, come on, just to get you. Swing on.
Vous savez laquelle? Ya! C'est... Drei! Zélo le Drei! Ya! Ya! À trois! Ya! D'accord! Trois. Et on va aller voir! Oui, on va aller voir! Hein. Hein? Exceptionnellement! D'accord! Hein? Hein? Allez-y, passez devant! C'est juste par là! Allez-y! Oh non! Monsieur? Bonjour! Oui, bonjour! Je suis... J'ai préparé... Oui, monsieur. C'est pour vous. Je suis trop ému. Police. Oui, c'est joli. Pour te connaître depuis fort longtemps, j'aimerais te saluer, police, pour mettre de l'ordre dans ma rue, pour aider ma grand-mère à traverser,
pour contrôler la vitesse de mon solex, pour rassurer mes neveux à l'entrée du lycée, pour retrouver le chat de ma voisine, pour ta morale exemplaire, ton courage, l'épreuve, pour la recherche de nos vieux égarés, pour ton existence et ta sérénité, pour ces années de service rendues au sein de la cité. Je sais pas. Bon. Pour ton képi devenu casquette, police, je t'aime. Accepte cet humble bouquet. C'est gentil. J'ai cueilli. Pourquoi? Oui. De la vase. Ah ben oui. Voilà. Bon ben je vais le mettre là. Vous débrouillez, ouais. Oui. Ça vous a plu? Très bien, c'était magnifique. Ça fait plaisir. Merci. Ouais. Vous en bas. Une autre fois, hein? Voilà. Très bien. Oui, c'est par là. Voilà. Eh bien, on a l'air bien avec ça. Allez, manger. Salut, Momo, comment vas-tu? Ça va, hein? Bon. Alors. Bon, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai fait les bureaux du premier étage, j'ai nettoyé les salons, tout le monde dit, hein? Oh, tu fais comme d'habitude, enfin, ça va pas aujourd'hui ou quoi? Mais aujourd'hui, ça dépend des jours, ça dépend si tu as travaillé le matin, le soir, s'il y a eu un interrogatoire. Mais Momo, tu fais comme d'habitude, hein? Tu fais comme Marcel et puis... Mais qui c'est ça, Marcel? T'es un petit travail dans le commissariat, j'ai pas mis papier depuis 20 ans, non. Et toi tu me dis comme ça que... Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est cet... Il m'a piqué la main, il m'a piqué la main. Non mais je me suis trompé. Laisse-le dire, si il me pique la tête, je me suis trompé, je te dis, je te dis. Laisse-le, non mais attends. Je me suis trompé entre Momo et Marcel. Je voulais dire Momo, j'ai dit Marcel. Oui. Alors, fais attention Momo. J'étais papier. Oui, je sais, ça fait 20 ans que j'ai des états. Très bien. Je travaille au commissariat, j'ai des états, j'ai fait des ménages partout, j'ai nettoyé les vides, j'ai nettoyé les cellules, j'ai nettoyé les bureaux, mais, et tout ça, et j'ai toujours pas les papiers. Mais c'est en cours. Ah, ça va. Et c'est pour bientôt? C'est pour bientôt, mais bien sûr. Hein? Bien sûr, tu sais bien que tu peux me faire confiance. Il veut que j'aille nettoyer aussi chez toi, la maison et tout ça. Ah, oh, si. Pour arranger Janine, hein, ah, hein? Ça peut être sympa pour son cadeau d'anniversaire. D'accord. Très bien. Tout, hein, alors, tu ramasses, hein. Donc, je ramasse tout ça et qu'est-ce que j'ai... Laisse-moi le vase. J'ai l'estivage. Voilà. D'accord. Pas de problème, allez. Pas de problème, c'est toi le chef. Allez, Momo, au travail, hein. Non, mais t'es sûr pour les papiers? Oui, c'est bon, c'est bon. Allez, au revoir, Momo. Merci. T'es sûr? Je trappe. C'est vrai? Les cellules? J'y vais nettoyer les cellules alors. Oui, tu fais les cellules. Hé, hey, dis donc. Oui. Tu fais pas la 3. Ah, j'y fais pas la 3. Touche pas la 3. Ah bon, hein? Non, c'est rien. Tu touches pas. D'accord, d'accord. Allez. Je t'écoute, j'y vais aux cellules. Très bien. Thank you.
fini. Souffle à toi. Je ne la dis pas à toi, je ne la fais à toi. Bon. Et personne ne bouge pas, il est là. Bon. Écoute, Momo, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, hein. Bon, ça fait du bruit, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein.5, 3, 2, 1.
l'identification est terminée. Vous pouvez disposer. Et coffret de 3. Bonjour monsieur le policier, je suis votre acteur préféré. Je viens pour un petit recommander une petite signature avant de reprendre ma voiture et de partir vers d'autres aventures. Il vient de me voir, lui. Ah, je suis donné n'importe quoi. Bon, alors. Ah, mais c'est pour les deux vieux, là. Bah, d'accord. T'as bien fait, hein, ils sont pas ensemble. D'accord, très bien. Bon. Ding dong. C'est quel sujet? Viens voir la convocation. C'est quel sujet? C'est à 14h. Bon. Je regarde sur le registre. 14h. Monsieur Regard. Ah oui, c'est pour la faire dans le trou. Monsieur Regard dans le trou. Monsieur Regard, vous êtes le témoin oculaire dans l'affaire suscitée. Nous allons élaborer le portrait robot. Nous venons de recevoir un matériel de pointe. Américain. Le IFS. Asseyez-vous. Quelle couleur? Bleu. Non. Rouge. Non. Ça va pas faire comme au stage, t'as toujours gagné. On va tirer au sort, appuie ou passe. Ok. Hé, hey, si ça tombe sur la tranche, tu peux rentrer chez moi? Thank you.
portait-il une casquette. Non, mais il avait... Pas la tricherie, hein. À moi. Le suspect portait-il un chapeau. Mais le chapeau et la casquette, c'est pas pareil. Non, mais il me semble que vous ne posez pas la bonne question. Oh. Asseyez-vous. Nous, on a fait un stage IFEG. Fake. À moi. Le suspect avait-il des cheveux? Non, mais vous ne posez pas la bonne question. Est-ce un homme? Est-ce une femme? À moi! Des yeux bleus. Le suspect était-il de sexe masculin ou féminin? C'est moi le malin, là. Oui. Le suspect avait-il des lunettes? Non. Silence. C'est pas bien parce que moi, il portait un masque. Moi aussi, hein, je l'ai dans le registre Hans. Silence, c'est scientifique, c'est de l'IFES. Bon, mais je vais repartir, hein. Vous pouvez vous lever. Hey, si vous avez besoin de moi, hein, on se rappelle, hein. C'est scientifique, ça. Pas besoin de réfléchir. Appelle à toutes les polices. Ça va crever, ça. T'as pas mal à la tête? Hein? Trop réfléchir. Commissariat de police, bonjour.